Quel est le premier moment où j'ai réalisé que j'étais célèbre? C'est une bonne question. Ça. Quand t'as arrêté de chanter sur des bateaux mouches? Pas mal. T'as beaucoup de bien, oui. Non, mais c'est pas ça. Salut, c'est Dido Preto. Louane. Allons. Tu veux le faire? Vas-y. Ok. Qui est le premier artiste que j'ai vu en concert? C'est facile à écrire, ça va vite. Ok. Laurie? Oui. Oh, wow. Bravo. Oui, c'est Laurie. Bravo. Quel est mon rituel avant de monter sur scène? Alors attention, c'est très spécifique. Ton rituel? En plus, vous n'êtes pas venu me voir en concert, mais vous auriez pu le savoir. Tu danses? Tu fais une petite prière? Oui, je danse. Que c'est un peu long. Non, mais je crois que je connais. Ai... Non, va pas là, va pas là. Danser, mais pas juste danser. Danser sur Dancing Queen avec mon équipe. Ah là là là. Qui est ma pop star favorite? Taylor Swift. Britney. Je réponds avec mon cœur d'enfant, vraiment. Ça aurait pu être Taylor Swift, c'est pas loin. C'est pas Taylor Swift. Je sais que tu peux trouver. Ah, mais elle n'existe pas vraiment. Hannah Montana? Oui, c'est Hannah Montana! Yeah! J'ai combien de points là? Au moins 18 points là. Je suis le gagnant de ce jeu. Ah, ok, là. Quel télécrochet me faisait rêver plus jeune? La Starac. Ouais, c'est la Starac. Alors, allons de félicitations. Merci. Alors là, bah vraiment, qui me manque le plus lorsque je suis en tournée? Ton bébé. Bah ouais, mais réfléchissez. Quoi, ta fille? Bah réfléchissez. Et le papa? Ton mari? Bah oui. Esme plus Flo. J'ai capté. C'est à moi. Quelle était mon idole de jeunesse? Toi et moi, on était dans les mêmes bails un peu. Inter ou c'est français? Juste une musique. Non, pas Joe Jonas, Zac Efron genre. Inter ou français? Non. Oui. Les gars, ne vous amusez pas avec moi. Mais non, mais on a, regarde, Anna Montana, Zac Efron, ça paraît logique. Vous avez filmé avant qu'on commence la série de questions. Ensuite, quelle est ma salle de concert préférée? Bah, facile. L'Olympia? Non, c'est Bercy. Oui! Mais ça quand même! Et je le fais le 6 décembre. 6 décembre, on sera 6 décembre. Là. Et on sera là. Qui est mon actrice, acteur préféré? C'est Brad Pitt. Non, je suis plus jeune que ça. Oh, c'est Jacob Elordi. Non, je suis plus vieux que ça. Très, très, très musclé, cheveux longs. Il chante parfois dans les films. Ah, Bradley Cooper! Je vois sa fiche, j'arrive pas à le relire. Il y a quelqu'un qui veut nous aider ou pas? Ah, oh, je suis tellement d'accord avec toi. Je le dis à Alonso, comme ça, il gagne un point. Ah ouais. C'est Adam Driver. Ah, ben oui, Adam Driver. Ben oui, quel est le premier moment où j'ai réalisé que j'étais célèbre? C'est une bonne question, ça. Quand t'as arrêté de chanter sur des bateaux mouches? Pas mal. Vous connaissez bien, vous? Non, mais c'est pas ça. Quand t'as demandé ta première photo dans la rue? Attends, laisse-moi réfléchir. Quand tu t'es entendu quel à la radio. Quel est le premier moment où j'ai réalisé... Ouais, je crois que c'est ça, c'est la radio. Bon. Je suis un mauvais perdant. Radio. J'étais en voiture, je m'en rappelle, et là, j'entends le titre et je suis en mode, waouh, ça y est. Dinguerie. Ça y est. Ok, quel est mon plus gros défaut? T'es trop, comment on dit? Oui. Oui, c'est ça? Oui. T'es trop perfectionniste, c'est ça, t'es trop perfectionniste. Exactement, je suis perfectionniste. C'est trop les trucs qu'on dit en... Mais non, mais c'est vrai, à, en entretien. Genre au point mon de mettre seul des défaut, voitures... c'est que je suis perfectionniste. Tu vois ce que je veux dire? Si je pouvais collaborer avec un ou une artiste, qui serait-elle ou il? Il l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Il l'a dit tout à l'heure, sauf que je me rappelle pas c'est du vrai, tout du nom. C'était Omar quelque chose, Oman. Il s'appelle Omar Apollo. J'étais pas très loin. Omar Apollo. Je ne connais pas. Quelle est ma chanson préférée en karaoké? Titanic. Mais là, je vais inventer. C'est Continue pour enfants. C'est un artiste que je vais mettre parce que je trouve que ça passe bien en karaoké. Jul. Il y a trop de lettres. Il est en train d'écrire trop de lettres. Ce sera jamais Jul. Daniel Balavoine. Non. Qui donne sa langue au chat? Bah moi, du coup. C'est Francis Cabrel. Oh, waouh. Oh, Eddie. C'est Francis Cabrel. Qu'est-ce qu'il y a, Eddie? Tu me connais, hein? Je vais me tuer. Ok. Je vous préviens, vous les connaissez pas, ça va être long. Quel est mon souvenir de concert le plus fou? Que t'as vu, du coup? Ou que toi, ouais, t'as vécu en tant que personne? Que j'ai vu, ouais. Okay. Le mien? Non, moi, je pense que c'est le Vélodrome de Sopra. J'ai kiffé de fou malade. Ah, arrêtons-nous là-dessus. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Mais, si tu veux, mais moi, je pense que c'est le Vélodrome de Sopra. Non, c'est le groupe NTM. Francopholis de La Rochelle. Souvenir impérissable, incroyable, ils m'ont traumatisé. J'étais petit en plus. Quelle est la chanson que j'aime le plus chanter? Hasta la vista. Non. J'ai pas encore écrit. J'aime bien, c'est pas mal ça. Pas mal ça la réponse. Finilé, non? Putain, j'aime trop Finilé, mais non.
à fleur de toi de Vita. Je ne l'aime pas comme toi. Je kiffe ce morceau de fou marasse. C'était une de tes chansons, Alonso? Ah, non. Pas forcément. Non, forcément. Ah, non. Eh ben voilà, eh tu, vois, bah, tu veux me mettre dedans et... Ah, j'aime trop Fixos. Quelle est ma série préférée? Desperate Wives. Vous trouvez ou pas, les gars? Game of Thrones. Ah, Succession. Presque. Le truc des bureaux, là, dans Viking. Le bureau. Bravo, ah, Viking. Dans les bureaux. Bravo, Luan. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Merci. Mais non. Bravo, Luan. C'est Luan. Hein. Et du deuxième, bien sûr. Yes. Ben, c'était le game show de Vanity Fair. Vous pouvez nous retrouver très, très bientôt sur Popstar. Et en concert, au Vélodrome, à Bercy, et dans les Zénith. J'ai raté mon clin d'œil de ouf. On fait un clin d'œil, ton clin d'œil, vas-y.